The 21st century, nations have collapsed. From the ruins of war arise a society fueled by greed. Profiteering mega corporations provide protection and jobs to anyone who abides by their policies. The alternative, a criminal path. Street gangs engage in a constant power struggle against rival gangs and authorities. But there are some that have no interest in gang affiliations nor company citizenship. They only pledge allegiance to the highest bidder. Their title, Bounty Hunter. Their only objective, and down. Hunt down. Oh là là. On est dans l'ambiance directe. Alors j'espère que vous m'entendez bien au micro parce que la musique elle a l'air un peu forte. Voilà, c'est mieux, ça se calme. Ambiance directe, les mecs. Hunt down. Cyberpunk à 1000%. Scroller 2D shooter. Tardait trop de le faire. Si tu te rappelles de Robocop à l'époque de NES, frérot, si tu te rappelles sur la NES et la Super NES, je crois, Robocop 1, Robocop 2, tu sais, ces jeux en 2D où t'avances, tu tires, tu te caches. Voilà, bon là, on est en 2020, c'est en 1080, en 16/9, c'est en ce qu'ils appellent pixel perfect, c'est-à-dire que, tu sais, ça bave pas et tout, c'est nickel, quoi, c'est vraiment pixel par pixel, on le voit déjà sur les détails, là. Bref, ça m'a envoyé, l'ambiance a l'air dingue. C'est parti, on découvre ça ensemble, je ne me suis pas spoilé. Choose Bounty Hunter. Anaconda, John Sawyer, et Moma. Anaconda, très marrant. Ok, John Sawyer, bon, ils ont tous l'air ouf. John Sawyer, frère. John Sawyer, direct. Killing time. Les graphismes sont juste magnifiques. Regardez ça. Ça fourmille de détails partout. C'est juste excellent. Alors bien sûr, mon micro marche mal, donc pour le début de la vidéo, vous allez très mal m'entendre. Il faut pas m'en vouloir, hein. Je suis au début de la chaîne, j'ai pas encore le matos qu'il faut. Welcome back. It has been a long time since the company acquired your services. So once again, you were personally selected for the job. We trust you are willing to accept. Yes, of course, Miss Rose. I had a feeling you'd say that. A mother knows her children. The hunt down is initiated. Our first matter is an urgent one. During the latest riot, a gang... Alors c'est une vidéo découverte, hein, ça veut dire que je n'ai pas fait le jeu. Mais ce n'est pas un let's play narratif, c'est-à-dire que je ne vais pas faire le jeu du début à la fin avec vous, quoi. À moins que vraiment vous me le demandiez, mais je pense que ça ne sera pas le cas. Je vais donc avancer dans les niveaux, on va découvrir ensemble le début du jeu. Et puis après, je vais zapper au montage, je vais avancer dans les niveaux un peu plus loin, histoire de voir un peu de variété dans les décors, dans les boss, la musique, et tout ça. Ok. Les Hoodlum Dolls sont unpredictables et forts en nombres. Get down there. Restore order. Hunt down this Troy Lawman and make Mother proud. Consider it done, Miss Rose. This piggy is going wee 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 all the way home. Ok, donc j'ai l'impression que c'est le premier truand qu'on doit tabasser. Oh là 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 là, les graphismes, la musique. Ok, c'est parti. Voilà. Ok. Adios.
D'accord. Je peux effectivement me cacher. Là, on se rend compte de suite que le jeu est très détaillé graphiquement. Les arrière-plans sont très beaux, sur plusieurs couches. Ils sont animés, on voit l'hélico qui passe derrière. Donc, graphiquement, ça annonce du lourd. D'accord, donc on peut se cacher dans les angles comme ça. Super. Tiens, mitraillette. Stash collected. Checkpoint. Tony's surgery and repair service standing by. Oh là là, l'ambiance est tellement cool. Oh là. You bastard. Quel enfoiré, je suis occupé. Japon. C'est bien sanglant et tout ça, c'est cool. Ah, on vient de rentrer dans le bar. Ah, on a trouvé la prime. Ah oui, je vous rappelle qu'on est chasseur de primes. Ouais, il y a la bonne part. Les boss. J'avais pas vu que j'étais monté là-haut. Pour chase the dogs. Allez, viens. Suis-moi. Oh, mais le gameplay est génial. I have your missing link right here. Juste excellent. Pop goes the weasel. Allez, on va mettre le chien. Boum, ça dégage. Bounty. Oh, la classe du jeu. Oh.
Voilà, donc le jeu a vraiment beaucoup de classe. Un côté rétro complètement assumé. De toute façon, avec ses pixels, bon voilà. Mais je veux dire, ça passe super bien. C'est trop bien fait. Et le gameplay est tellement cool, quoi, que super facile, mais en même temps, vraiment, vraiment chouette. On peut se cacher, tout ça, vous avez vu. Vraiment, ça promet. Un gameplay assez précis, hein, qui je pense va devenir exigeant. Le jeu va devenir assez exigeant au fur et à mesure, de plus en plus difficile. Donc, faut s'attendre à un niveau de difficulté assez relevé. This gathering to make a statement to them all. Let's put this situation in the penalty box. TNT Randy. C'est parti. Ah, visiblement c'est un nouveau gang. Oh là là. Alors comme je disais, les jeux 2D en ce moment, en scrolling comme ça, c'est grave la mode. Moi, j'adore. Vraiment j'adore parce que ça me rappelle tout simplement mon enfance, les bornes d'arcade, les jeux NES, Super NES, tout ça. Et vraiment ça me fait trop plaisir qu'ils refassent des jeux comme ça en ce moment. Ils les ont lamentablement assassinés. Donc on continue, on est là pour rétablir la loi dans ce bordel qu'est cette ville. It's cleaning day. Watch out! Bounty on us! J'ai un canoncier. Attendez, est-ce que je peux monter là-haut? Non. Ils sont allés jusqu'à faire les détails des balles. Chaque balle que je tire, il y a la douille qui tombe. Voilà, c'est cadeau. Ça en est fou. Qu'est-ce qu'on a? Un gang qui arrive en métro. Ça a tout l'air. Ça y est, on va mettre tout ça en métro, ok. Plus de morts, allez. Véritable petit bonheur ce jeu.
pas compliqué, on prend du plaisir tout de suite. Comme je disais, le gameplay est vraiment trop cool. Bounty found. Finally, son! My knuckles were starting to itch! Ouh, il devait l'air. Yes, there is! I just need a high five! In the fight! Look at me, pal! Oh. Let's pump it up some! Let's do it. Give it sunshine! Daddy is coming for you! Tirer vers le haut. I'm the best looking dog there oh is! Là là. Génial. You just don't mess with the Hoover dolls. I'm feeling lucky today. Hoover dolls, top of the food chain. Oh. I'll spank you, oh. Whip steel! There's no control! Don't move! A muscle is pumping up some! L'animation est excellente. Let's do it. I'm so mean, I need medicine sick! You walk into my turf. This is what happens. I'm not your tight bounty hunter. Don't even try. That's this. How do you like that? You sellout. Here he comes. Voilà, bien joué. Too heavy for you. Hey, watch it. You have to kill me. I ain't going. Oh, c'est beau. Magnifique. Bounty collected. Je peux vous dire que ça, c'est un vrai prototype. Si je dis pas des conneries, c'est Burton à l'époque. Je me souviens plus pour quelle marque. Il y avait trois voitures, d'ailleurs, c'est les trois voitures d'héros différentes. Et ce sont des vrais prototypes. Et là, il est sorti par la fenêtre de devant, par le pare-brise, et ça s'ouvrait vraiment comme ça. Voilà, je peux vous dire. Okay, boys, let's go.
Alors le personnage est plein de répliques à la Duck Nukem. Et il dit parfois des trucs très drôles, vraiment. Oh, voilà, ça dégage. C'est ce mur ou pas? Ah. Ah, je fais pas attention à mes vies. Oh là. Apparently, dogs are not my man's best friend. Voilà, par exemple, le genre de truc qui. J'ai fait n'importe quoi. Ah non, je dois le refaire alors que j'avais géré. Violence des chiens. Ça vraiment c'est beaucoup trop cool. Sense odor particles in the air. She's close. Alors ça, on s'en lasse pas. Dégommer des punks en bagnole. Comment pourrait-on s'en lasser? Deux fils de plus.
show them what this conduct's all about. Dégage. Putain. Voilà. Un boss difficile, un boss vraiment difficile. Ouf, je me suis pris à plusieurs fois. Bien 20 fois, je dirais. Nouvelle zone. They could have marched out and taken over the city core unless I had stopped them. At least give me a smile. I am smiling. As projected, the gang's morale has declined, and they are now vulnerable enough for the less than competent law enforcement to clean up your little mess. Unfortunately, your recent activities have caused the heat seekers to be a bit restless. They run operations along the outskirts of the industrial sector, mostly arms trafficking and hijacking transports. I think this may be the perfect time to pay them a little visit and put them out of business permanently. Oh yeah, there's no business like out of business. Their leader goes by the moniker Ringo Road Rage. I want him neutralized. I'm transferring bounties scattered in the area for you now. Downloading coordinates. Voilà donc, chaque zone est divisée en plusieurs niveaux, avec chaque niveau un boss. They're using the highways to smuggle heavy weapons through the city. Start there. It'll be a highway to hell when I'm done, Miss Rose. Ouh, je sens que ça va me plaire, cette troisième zone. Oh là là, yes. The Heat Seekers. Heat Seekers. Wouah. Did you see that? Huh? Someday you folks might be as good as I. You are such a killer, Dean. Oh là, c'est vraiment trop stylé avec les voitures qui volent derrière et tout. Tous les backgrounds sont trop bien. Voilà. Est-ce qu'on va conduire? Ça serait cool. Non. Dommage. Oh là là. Allez, troisième zone. C'est parti. Oh là, carrément. On se fait attaquer par des buggy. Excellent. Excellent. Bon, vous l'aurez compris, je suis déjà complètement fan du jeu. De son ambiance, des musiques. Des décors. Oh là là, ce troisième niveau, cette troisième zone, ça m'en est vraiment cool. Je suis un grand fan de voitures, de bagnoles, tout ça, donc
Ça a l'air très mécanique. Putain, j'espère qu'il y aura un niveau en mode on conduit un truc, quoi, si on peut. Regardez-moi ça. Voilà, forêt. Faut la manette avant. Oh là 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 là, je l'ai pas eu. Oh, le jeu est complètement ouf. C'est quoi en fait, la charge de C4? Cette manette. On va essayer de l'avoir, c'est chaud. Oh, donc, c'est très très chaud là. On a droit à tout. Le I'll be back. J'ai pas réussi à l'avoir. C'est bon, et le C4, j'en ai plus. Le héros il balançait des trucs à la Duke Nukem. C'est complètement assumé, c'est ça qui est très drôle. Oh, j'ai cru que j'allais sauter sur le train. J'ai vraiment cru que j'allais sauter sur le train. Oh là 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 là, c'était magnifique, j'ai même pas voulu faire ça. Il a pas le temps, mon héros. C'est une hog. Ah, voilà, c'est ça, je cherchais le nom de la hog. Oh là là là. Véritable carnage. Ce niveau est trop trop bien. Petite mallette. Oh là là, les graphismes. Je suis comme un fou. Ça fait, faut savoir que c'est fait à la main, donc c'est pour ça que ça me parle beaucoup. Voilà. Rien que la musique, je bouge la tête. On peut le détruire, ça. J'ai rien pour. Ah ouais, on a des snipers là. Que l'on peut utiliser visiblement. Oh, daddy like. Daddy like. Take 'em down.
line up on aisle 7. La violence. Il y a pas mal d'armes dans les... Ouais. J'aime bien la diversité des armes du jeu. Je m'attendais pas autant. Derrière, c'est vraiment super détaillé en fait, c'est ça qui déchire. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah non, c'est un trou. D'accord. C'était un oh, je me le prends plein de gueule. Ici. J'ai failli ressauter dans le trou, je vous jure. Oh là là, on est aux barrettes, on les aligne. Les bruitages aussi sont terribles des armes. Comme je disais, on entend chaque douille retomber. Hein. Faites bien attention. Regardez les douilles. On les entendra pas retomber malheureusement, mais. Wouah, j'ai failli tomber. Moi j'ai failli tomber. Non ben là je suis tombé, oh putain. Non, encore je reviens là. C'est pas vrai. Est-ce que je dois retourner? Ouais. Ah oui, le barrette, frère. Oh non! Oh la chute énorme! Oh putain, j'ai cru que j'étais mort. Ouf. Crash sur ta position, d'accord. Ouf. Ah, je suis mort par contre. Ah ouais, mais bon. Voilà, lui en premier. On les entend tomber. Le missile en bas. Oh putain. Oh là 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 là, mais quel bonheur. Qu'est-ce que c'est là-haut? Il y a un truc que je connais pas là-haut. Grenade à fragmentation. Je vous ai dit, il y a vraiment. Je suis surpris par la diversité des armes. Des grenades de. Ouf, j'ai failli tomber. Attendez, non. Ouais. Ok.
mallette. Petit côté plateforme, ça c'est très cool évidemment dans les scrollers 2D comme ça. Oulala, 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 attendez, attendez, je prends cher. Oulala, je prends très très cher. Ouf. Comme je disais, il n'y a pas qu'au niveau des boss que c'est difficile. Un parfait exemple, ce passage. Ça fait 10 fois que je le refais. On va essayer de passer en rushant. Regardez le bordel que c'est. Un rocher. Oh mais regarde. Je sais même pas où je suis. Mais je suis passé. Bon ben voilà, je pense que c'est le meilleur moment pour se dire au revoir. Ça fait quand même 40 minutes de vidéo. C'est un jeu que je conseille vraiment. Il est disponible sur toutes les plateformes au prix de 20€. Donc vraiment un vrai bonheur. On en demande plus des jeux comme ça, vraiment. De la belle 2D, rapide, pour adultes, dans une ambiance cyberpunk délicieuse. On en prend plein les yeux. On en a clairement pour son porte-monnaie. Le gameplay est addictif. Ça, c'est la base, je pense. Et voilà, quoi. C'est clairement un jeu que je vous recommande. Je crois que vous l'avez compris. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode avec moi. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Tchuss !